Cicerte nouophos, le moulin à bras. Il est très utilisé chez les Berbères d'Algérie, plus précisément en Kabylie. C'est un ustensile typique de la culture des peuples montagnards et des paysans. Cet outil ancien sert à mouliner le blé, dit irzen, mais aussi d'autres grains tels que les pois chiches, le hummus, les piments, ifelfel akrahen, et les poivrons sèches, ifelfel. Ce sont traditionnellement les femmes qui l'utilisent. Les grains sont versés par poignées dans l'évidemment de la meule volante du moulin de pierre Tissert et la farine est recueillie sur une étoffe. La dirte est formée de deux blocs de pierre taillés en forme cylindrique d'environ 70 cm de diamètre. Ces deux blocs sont posés de façon symétrique l'un sur l'autre et un orifice sur le bloc du dessus permet d'y insérer une tige de bois. De la meule primitive, la meule de grès scellée à même le sol de terre battue dans le foyer berbère de Kabylie. Et cette meule de grès entraîne un très beau mouvement du bras, un mouvement rond qui se communique au champ tout entier et qui berce.